Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un 18e et dernier épisode de Zelda Minish Cap. Enfin, je pense que ce sera le dernier, j'espère. Bon, de toute façon, j'irai jusqu'au bout, je pense. Hein. Donc, dans l'épisode précédent, on avait récupéré deux réceptacles de cœur supplémentaires et on était arrivé dans le château des ténèbres, dans laquelle on va finir aujourd'hui, j'espère, et battre ce Vati. Alors, donc là, ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je finisse de récupérer ces clés, tout simplement. Alors, ici, j'avais battu des Dark Nuts. Voilà, il en reste encore à battre. Alors, donc effectivement, j'ai récupéré deux potions, hein, comme je vous l'avais annoncé. J'y ai fait en off. Donc, étant donné qu'on va pas aller jusqu'au... Enfin, c'est à dire que après je vais arrêter, je vais pas. Je vais pas en fait. Si vous voulez. Attendez, attendez. Hop. Voilà. Donc comme je vais pas justement faire le 100% parce que ça sera débile, je me suis fait je suis allé voir une petite soluce pour savoir ce qui me manquait. Donc effectivement il va manquer en fait deux items, c'est-à-dire l'arc de lumière que je n'ai pas eu. Parce qu'en fait l'arc de lumière on le récupère seulement à un moment précis. Et c'était avant de faire le palais du vent. Voilà. Donc ça déjà je pourrais pas le faire. Et il manquera le bouclier miroir aussi. Le bouclier miroir donc c'est avec Bigoron. Et justement, il disait d'avoir fait un événement, rappelez-vous. Et cet événement, c'est tout simplement a priori de battre Vati. Donc, une fois l'avoir battu, je vois pas l'intérêt d'avoir le bouclier miroir après. Quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Il commence à me faire chier, celui-là. Voilà. Mais attends, j'ai oublié d'aller chercher... Ah oui, alors attends, là... j'ai oublié d'aller chercher... La petite clé, ouais c'est bon, c'est ça, nice. J'ai oublié d'aller chercher ma petite clé Oh, faut battre encore ces trucs à la con là. Purée, mais casse-toi, mais il m'énerve ceux-là, là, je peux pas les voir ces fantômes à la con. Là. Et après, en ce qui concerne les cœurs, donc c'est bien un pour les figurines, un pour donc là avec les cocottes, et les deux autres manquants, je j'ai pas checké, hein. Mais je sais vraiment pas où ils vont être. Donc bon, après, étant donné que je vais pas y faire, honnêtement, je m'en fous un peu. Voilà. Bon, après c'est tout ce qui nous manquait. Le reste, ça a tout été fait à 100%. Attends une seconde. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Donc voilà, donc on va finir ça et puis ça sera tout.
Par contre, faut que je pense. Ah oui, aller récupérer. Tiens, bah regarde ce que je vais faire. Hop. Hop. Je suis en train d'imaginer ce jeu en défi 3 cœurs. Enfin, je sais pas, je pense que c'est impossible, non? En défi 3 cœurs, ce jeu, t'imagines? Déjà, là, j'en chie. Avec tous mes cœurs. Ah oui, d'accord, ok. Oulala, attends. Faut que je scrute comment c'est foutu. Donc, il y en a... comment ça va être foutu cette histoire là? Ah mais alors attends. Ok. On va pouvoir essayer de faire comme ça. Ok, je vais essayer. Je vais éviter de tomber. Oh non. Je fasse gaffe à eux parce que eux ils font mal. Hein. Ah mais en fait c'est. D'accord. Ok, donc il nous en reste plus qu'une. Donc normalement... Et juste là-bas, voilà. Alors lui, normalement, c'est pas un bien compliqué. Nice. Bon, je récupère, mais finalement, ils vont me servir plus à rien, ceux-là. Ok. Ouh, il y a une main. Ouh, il y a deux mains. Yes. Ouh.
Oui. Mais il est bien grand ce truc là. Ok, j'ai pigé. Nice. On se croirait dans Super Mario avec ces trucs là. C'est incroyable ça. Petite clé, ok, nice. Ok, vite, hop. Ok, super. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Ok. Et on va pouvoir aller au boss. Vous êtes vraiment coriace. Si vous êtes venu pour m'empêcher de prendre la force, c'est trop tard. Quand la cloche aura sonné trois fois, la cérémonie sera accomplie. Dans trois petits coups de cloche, je deviendrai Vati, le prince du mal. Et la princesse Zelda ne sera plus qu'un vulgaire bloc de pierre. Le temps presse, Link. Rendons-nous vite au sommet. Oh, punaise. Ouais, bon. Faire quoi là? Enfin, Dieu. Ouh. Alors. Ça marche bien les bombes aussi, tiens. Je l'ai essayé.
Nice. Eh ben, dis donc. Pourquoi ce chapeau miteux et ce gamin viennent interrompre la cérémonie? Qu'à cela ne tienne. Je n'ai pas pu extraire toute la force de la princesse, mais ça devrait aller. J'en ai assez absorbé pour devenir un sorcier invincible maître du monde. Quant à vous deux, vous commencez à m'ennuyer, à fourrer votre nez partout. Ah. Bon. Ok. Je vais vous faire regretter de vous être mis en travers de mon chemin. Alors. Là, je suppose que... Hop, 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 hop. Alors attends, je vais essayer avec ce truc. J'ai eu un... Ouais, ça marche. Bon, ok. Ah oui, tout à l'heure, ça marchait tout à l'heure. Ok. Bon, je suppose qu'il y a plusieurs phases, plusieurs trucs, non ? Ok. Tu te débrouilles pas mal, je crois que je t'ai sous-estimé. Très bien alors. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh putain, puis là faut se dédoubler. Tu n'arrêtes pas le prince du malin. Ok.
Et faut pas lui renvoyer ces trucs là, non? Il me donne des flèches. D'accord, alors attends, j'ai... Ah punaise, c'est pas possible. Ok, nice. C'est impossible, je suis le prince du mal, je ne peux pas perdre, pas contre un gamin. Non mais encore une phase là, non? Tu l'as vaincu? Dépêche-toi de briser la malédiction. Aline, c'est le moment ou jamais. Ah oui, donc là c'était comme ça, voilà.
je suis si heureuse de te revoir. Même transformée en pierre, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Elle a l'air d'être complètement ravise. Remise. Ravise. Nous sommes arrivés juste à temps. Bah ouais, mais non, c'est pas fini, c'est pas possible. Oh non, on dirait que le château s'effondre. Ah, un peu comme la Ocarina of Time. C'est trop dangereux de rester ici, dépêchons-nous de sortir. Qu'on n'est pas en sécurité ici, il faut vite emmener les princes dans le sanctuaire. Ouais, bah ouais, je sais. Laisse-moi juste retrouver le chemin. Là. Je ne vous laisserai jamais vous enfuir. Maintenant que j'ai acquis la force, je vais vous montrer mon vrai pouvoir. Mon pouvoir de Vaati, le prince du mal. Et oh fuck. Bon, alors là, je suppose que... Une entrée mini-niche, mais Il y a des trucs là, non? C'est pas comme ça. C'est pas ça, a priori. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faudrait pas lui renvoyer ses boules, là, non? Non plus. J'ai crevé, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Mais je ne sais même pas ce qu'il faut faire, tu sais. T'as qu'à voir. Pour se dédoubler,
Mais vraiment, il y a. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bon, ben voilà, premier game over du jeu. Bon, alors, du coup, les amis, on recommence. Deuxième tentative. Donc là, je suis retourné chercher. J'ai plus de rubis. Je suis retourné chercher une fée et trois potions rouges. Ah, ben voilà. Plus simple. Recommence là. Ah oui, alors là, du coup, ce que... C'est chier, hein. Non, je vais refaire avec les bombes. Avec les bombes, c'était pas mal. Et deux. Et voilà. Ok, nice. Donc là on connaît. Bon, si jamais je repère, si jamais je me reprends un game over, je reset parce que j'ai plus de sous pour acheter des potions, donc je serai obligé de reset. Et puis de toute façon, on se reprendra uniquement à la phase où j'ai perdu la première fois, là, où, vous savez, où il y a ces deux bras là où j'ai pas réussi à lui mettre un coup. C'est là, voilà. On reprendra directement à cette phase là. Alors là. C'est le même principe, hein. Donc là, il faut que je sorte mon truc, là, a priori. Ça a bien marché tout à l'heure. Hop, 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 hop. Voilà, parce qu'il aspire sa boule. Ah, oh, mais il me fait chier avec son feu, là.
Oh fuck. Ah oui, oh un dieu. Cette phase-là est un peu pénible aussi, hein, j'avoue que... Donc là... Là, après c'était sur le côté là. Ah non, c'était le derrière en fait là. Putain, mais ça me casse les pieds. Ouais, dis donc. Ah, mais fuck. Ah non, je suis merdé là. Ah bah dis donc.
Ah mais fuck. En fait, c'est pas qu'elle est dure celle-là, là, c'est... Cette phase, c'est qu'elle est chiante en vrai. Putain, mais c'est pas vrai. Je crois que j'ai moins galéré tout à l'heure, hein. Eh ben dis donc. Bon. Mais dis-moi, y a pas moyen de prendre des faits quelque part, tu crois? Oh! Yes! Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Chose que j'aurais dû faire tout à l'heure, hein. Récupérer des faits, bah ouais. Enfin, quoi que tu me diras, de toute façon, j'ai pas touché les terres. Alors, attends, déjà, je vais faire par élimination. J'ai essayé l'arc, déjà, ça marche pas. L'épée comme ça, tout seul, là, non. La lanterne, j'en doute. Le boomerang, j'en doute. Les bombes, je peux essayer les bombes. Bon, ça non plus. La cape, pourquoi faire. Ah, j'ai le bâton là, sinon aussi, où je peux essayer. Mais, alors, attends. Non. Ouais, mais il me faut la cape de toute façon. Pour dégager de là. Alors. Oh! Oh, génial! Vas-y vite, en mini-niche! En mini-niche! Mais casse-toi! Mais putain, mais c'est pas vrai! Vite, faut y aller en mini-niche. Ah merde, putain. On m'a tellement cassé les pieds là. Bon, ok, j'ai trouvé comment on fait. Alors attends, ce que je vais faire déjà. Voilà. Bon, ok, ça a l'air d'être ça.
Alors. Oui, oui. Faut détruire tous ces trucs là. Ah, il y en a un là qui est intrus, t'as vu? Oh oui! Oh! Alors, lui il fait mal quand même. Donc là, je suppose qu'il faut faire pareil avec son autre bras. Ouais. Nice. Oh! D'accord. Ah oui. D'accord, en fait, il y a un œil qui est bizarre, ouais. Faut détruire l'œil qui est bizarre en vrai. Voilà. Là. Nice. Ok. Donc maintenant. Putain, tu me laisses retourner au. Donc là, ouais. Ok. Ah, ou alors attends. Ah, mais fuck. Ah! J'ai compris. Ouais, trop tard, mais j'ai compris, je crois bien. Enfin, il ira mieux vaut tard que jamais. Hop, là, vas-y. Ouais, c'était ça. Yes. On recommence. Putain, bon. Une petite lampée.
Bah ouais, mais j'étais pas prêt, moi. Fuck, mais va te faire foutre, la putain de Taras. Putain, mais merde! T'as rien le temps de faire, c'est pas possible! Encore? C'est bon. C'est impossible, la force du prince du mal ne peut pas perdre. Yes, c'est fini. Link, tu es sain et sauf. Tu as réussi à vaincre Vaati, c'est un grand soulagement. Mais les pertes sont terribles. Le château, ses habitants. Ça alors, j'ai retrouvé ma forme normale. Maintenant que Vaati n'est plus, sa malédiction s'est dissipée. Mon nom est Excello. Je suis le gardien du savoir des Minish. C'est moi qui ai créé le château magique que portait Vaati. Le chapeau magique. Ah, c'est la fatigue. Désolé. À cause de moi, les humains ont subi de nombreux tourments. Je vous demande pardon. Beaucoup de gens nous ont quittés et le château est très endommagé. Mais il ne faut pas perdre espoir. La force est toujours là, dans le cœur de Zelda. Et nous avons le chapeau. C'est porté par une personne au cœur pur qui révèle son véritable pouvoir. C'est à vous de jouer, princesse Zelda. Faites un vœu et pensez-y fort. Très fort, pardon. Regarde, le château se reforme et les gens retrouvent leur aspect normal. Tout redevient comme avant. Voilà, c'est très bien. Quel flux d'énergie vitale si puissant qu'il consume le chapeau. C'est un chapeau à vœux. Son pouvoir matérialise les pensées de son porteur. Le cœur de Vaati était trop sombre. Il l'a changé en sorcier maléfique. Celui de Zelda, empli d'amour et de combiné à la force,
a créé un miracle. Bien, je crois malheureusement que le moment est venu de nous quitter. La porte qui s'ouvre une fois par siècle sur le pays des Miniches va se refermer. Le mal a été repoussé et la princesse Zelda a ramené la lumière sur Hyrule. Je dois retourner parmi les miens. Désolé d'avoir causé tant d'ennuis. Link, ce fut un plaisir de voyager avec toi. Je suis un peu triste de devoir te quitter. Accepte ce cadeau. Ah bah tiens, un nouveau chapeau. C'est la première fois que je te vois comme ça. Il te va bien, petit héros. Porte-toi bien. Hop, le Minish. Adieu. Le petit Minish, là. Bon, les amis, c'est terminé pour ce let's play. Voilà. Alors, moi j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce que c'est pas fait, hein, comme d'hab. Donc bon, alors effectivement, le dernier cœur, le dernier réceptacle, je ne le prendrai pas. Bon, le bouclier miroir, de toute façon, il ne nous servira plus à rien. Hein. De toute façon, le jeu est terminé. Et l'arc de lumière qu'on a raté, malheureusement. Bon, c'est pas du 100%, mais c'est pas non plus la catastrophe. On va être à 80, combien, 90, 95% peut-être. Ouais, sûrement un truc dans le genre, plutôt 95%, je pense. Et puis bon, après, bon, c'est vrai que tout ce qui reste, ça sera quoi? Des fragments du bonheur, des rubis, et des coquillages. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne fera pas ce qu'il nous reste à faire. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Pour un jeu que je n'avais jamais fait, en plus. C'était la première fois que je le faisais. Et on s'en est bien tiré avec un seul game over. Bon, ça va. C'est contre le boss de fin. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Les amis, je vais vous laisser profiter de ce générique final. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.